Oui, entrez. Fanta, ça va? Tu cherches quelqu'un ou tu cherches quelque chose? Et toi là, il va falloir bientôt demander rendez-vous pour te voir. Oh, tu sais, avec mes légumes, je n'ai pas le temps ces temps-ci. Légumes? Oui. Tu veux parler de concombre? D'où tu sors cette histoire? Concombre? Tu vois très bien de quoi je veux parler. Toi aussi. Tu n'as pas honte? À ton âge, vraiment. Vraiment quoi? Vraiment quoi? C'est pour ces questions-là que tu me cherches depuis là. Hein? Occupe-toi de ce qui se passe chez toi. C'est clair? Chez moi? Qu'est-ce que tu veux dire? Explique-toi. Fanta quoi? Tu me fais trop rire. Occupe-toi de tes deux neveux. Au lieu d'être là à vouloir donner des leçons de moralité aux autres. Est-ce que c'est clair? Quels deux neveux? Fanta, comment peut-on laisser ces deux neveux pendant que leur mère est couchée à l'hôpital sous prétexte que tu ne t'entends pas avec elle? Mais toi quoi? Si tu fais avec les autres comme tu fais avec moi, faut pas s'étonner. Mais de quels deux neveux tu veux parler, Margot? Explique-toi. Oh, tes deux neveux, les enfants de ta cousine qui est à Saint-Doux là, les voici. Mais Pierre, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je n'ai pas de cousine à Saint-Doux, moi. Je vois maintenant, Mariam avait raison pour l'hôtel. Et tu tombes bien. Pierre, explique-lui. Elle n'a pas l'air de comprendre. Hey, c'est quoi? Pardon, madame, ce n'est pas encore ouvert. Revenez plus tard. Mais Gaston, qu'est-ce qui t'arrive? C'est devenu une habitude pour toi de venir chasser mes clientes. On s'en fout. Tu vas vite arrêter ce que tu as déjà commencé. Gaston, attends, qu'est-ce que j'ai encore commencé? Tu sais très bien, il ne faut pas jouer avec moi. Laisse mon fils tranquille. Ton fils, il faut dire qu'il n'est pas mal. Mais ce n'est pas de ma faute s'il s'intéresse à moi. Il me plaît, il est mon goût. Et écoute, Awa, fais attention. Je dis de faire attention, laisse-moi tranquille. Sinon, tu vas jouer avec le feu. Garçon, si tu veux rester tranquille, tu sais ce que tu dois faire. Ah bon? Je dois faire quoi? Tu dois faire quoi? Tu n'as même pas honte. Tu ne sais pas ce que tu dois faire. Si tu ne sais pas, je vais te le dire. Tu me maries, tu m'installes chez toi et nous allons dormir tranquillement. Quoi? Et ma femme? Ta vieille femme là, tu la renvoies chez ses parents, est-ce que c'est compliqué? Ah bon, tu crois que c'est si facile que ça? Allô? Oui. Oui. C'est monsieur Gaston, oui. Oh d'accord. Mais il y a quel problème? Ah bon? Ok, j'arrive. Oui, tout de suite. Bon, je dois partir. Hello, my love, Jarabi chérie. Apo, tu vas bien? Tu te prépares pour demain? Hé, hey, j'ai intérêt de... Oh, avant que l'autre idiote là n'arrive sur le plateau habillé et maquillé comme une star dessinée. De qui veux-tu parler? Tu sais très bien, je parle de l'autre chère prétentieuse là. Tu veux parler de Valérie? Mais si tu sais de qui je parle, pourquoi me demandes-tu alors? Pardon, Apo, Sabari. Il ne faudra pas venir sur le plateau pour faire ta jalousie. Sabari, t'es... Hey, si vous ne faites rien, je ne ferai rien. C'est pas compliqué, oh. Ah, vraiment, je ne comprends pas pourquoi Abdoulaye t'a donné un rôle. Hein? Il cherche des problèmes, quoi. Ah. Mais qu'est-ce que tu crois? C'est parce que c'est la sœur du réalisateur, hein? Sinon... Tu penses bien que le rôle principal, là, c'était pour moi? Ça m'allait comme un gant. Oh, j'allais trop les mystifier. La joliesse. Tu me fais pitié, Apo. En attendant, contente-toi de jouer ton rôle et de rester tranquille, ok? Ok, on verra. Je dis on verra. Oui, Apo. Oui.
Vous pensez que je n'ai rien à faire? Ça veut dire quoi? Du calme, Gaston. De toute façon, moi, ce n'est pas ma faute. Hein. Je n'ai rien dit. Ah bon? Il y avait quelque chose à dire. Les enfants, allez-y jouer dehors. Allez, dépêchez-vous. Gaston, tu vas nous expliquer qui sont ces deux soi-disant neveux? Nous expliquer? Oui. Ça t'intéresse, toi? Moi, pas spécialement. Rien ne m'intéresse. Et toi, ça t'intéresse? Je suis sûr que tu peux faire t'intéresser à tes chauffeurs. Quel chauffeur? Hein? Rien. Tu vois, ça n'intéresse personne. Je reviens. Moi, ça m'intéresse. Quels sont ces soi-disant neveux? Et qui est cette cousine de Sindou? Bon, écoute, Gaston, moi, je vais aller jouer au boulot et tu me rejoins là-bas après. Ok, type. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Merci. Et qui est cette fameuse cousine de Sindou? Qui t'a parlé de cousine Fanta? Moi, je t'ai parlé d'une cousine ici. Tu as entendu ça de ma bouche? Qui est cette cousine avec laquelle je ne m'entends pas du tout? Hein, Gaston? C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu inventes? Explique-toi. Je n'invente rien. Gaston, c'est à toi que je parle, non? Les gars, on est bon. Fantastique. On est bon. Pardon, Moussik. Pardon. Eh, vous êtes sûr que vous n'avez pas besoin de moi? Hein? Bon. Oui? Qu'est-ce que mon père t'a dit? Il n'a rien dit. C'est faux. Comment c'est faux? Il t'a dit qu'il fallait t'occuper du jardin, sinon il te mettrait à la porte. C'est pas ça? Aïe. Attendez, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Mais qu'est-ce qu'elle fout, ta petite sœur? Oh, vraiment. Attendez, je vais aller voir. Ah non! Eh, vous là, dépêchez-vous, hein, l'ombre avance. Bientôt, on ne pourra plus filmer. Hein. Vous avez compris? Vous savez, quand l'ombre avance trop là, les acteurs seront trop sombres. Et puis moi, je comprends pas. Pourquoi vous n'avez pas pris des gens teint clair? Ah, toi, la moustique, c'est quoi même? Teint clair, teint noir, c'est la même chose là. On est tous africains. Ouais, mais on dirait que vous n'avez pris que des faces de Sulu. Ah, en tout cas, ça va pas être beau à l'image, hein, ça, je vous avertis. Lui là-haut, c'est parce qu'il s'y connaît un peu qu'il est en train de bluffer comme ça ou quoi. Laisse, il va filmer, on va voir ici. Je suis sûr qu'on va bien rire. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fout celle-là, hein? C'est pas possible, quoi. Je trouve rien de joli à me mettre. Valérie, toi, tu n'es toujours pas prête. Mais je te dis que je n'ai rien de joli à me mettre. C'est quoi? Habille-toi comme tu t'habilles d'habitude. Tout le monde t'attend dehors, là, Valérie. Hé, calme-toi. Faut pas brusquer ma petite chérie. Ça te va pas? C'est vrai, hein, papa. Je n'ai rien de joli à me mettre. Et toi, là-bas? Tu ne pouvais pas lui donner de l'argent pour qu'elle t'achète des vêtements? Il n'y a pas d'argent pour ça. Quoi? Donne-lui une avance sur son cachet. Là, c'est possible, non? C'est vrai. Tu ne m'as même pas dit combien tu vas me payer pour jouer. On verra ça après. Pour le moment, moi, j'ai d'autres problèmes. Hein? En tout cas, je veux une avance. Sinon, je ne joue même pas. Voilà. D'accord. C'est pas grave. Je vais donner le rôle à ta copine. Hmm. Bon, d'accord. Mais il me faut de nouveaux vêtements. Tu veux combien? Je sais pas, moi. Voilà. Tu lui donnes un petit 200 000 pour qu'elle parte vite s'acheter quelque chose. 200 000 francs? Yeah. Valérie, 200 000, ça, je peux pas. Bon, tiens, 100 000 francs. C'est pas mieux. Mais où tu vas? Nous n'avons pas fini avec notre discussion d'hier. Je t'ai déjà tout expliqué, non? Expliquer quoi? Tu me prends pour une idiote, non? De toute façon, j'ai trouvé la solution. Je vais amener ces deux morpions pour faire un test de paternité. Nous verrons bien s'ils sont de toi ou non. Écoute, tu as vraiment du temps à perdre. Je t'ai dit que je ne la connais pas. C'est une folle. Elle m'a sûrement repéré à l'époque où j'ai travaillé à Banfora. Et que je me déplaçais souvent à Saint-Loup pour mes missions. C'est tout. Tu la connais pas? Tes histoires à dormir debout là. Moi, ça ne me regarde pas. De toutes les façons. Si jamais le test prouve qu'ils sont de toi. Ah, garçon, je m'en vais d'ici. Je te laisse avec eux. Tu pourras faire venir aussi ta pute. Ma quoi?
ta pute, ta soi-disant coiffeuse là. Tu crois que je ne suis pas au courant, non? Hein? Tu es malade, toi. Il faut te soigner. Tu vois, tu te trompes sur toute la ligne. Tu as tiré à côté. C'est la copine à Dani. Tu parles. Alors, tu vois, c'est la honte là qui va te dire. Mais vraiment, tu délires. Hey, laisse-moi, oui. Fanta, c'est pas la peine. Dani, nous n'aurions jamais dû prendre ta soeur. Voilà qu'elle commence déjà à nous angoisser. C'est mon père. Ah bon? Qu'est-ce qu'il a encore fait ton père? Non, rien papa, rien. Salut la jeunesse. Bonjour monsieur Kabiru. Bonjour. Bonjour patron. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Nous reprendrons à 13h à ce camp sanctuaire avec Jeanne. Là où elle joue avec la copine de sa fille. Je vais dire Isabelle. Oui mais regardez, c'est Jeanne qui arrive. Et si on faisait la séquence extérieure avant qu'elle n'entre dans la maison? D'accord, on gagne du temps. Ouais. Ouais mais faites rapidement parce que l'ombre avance. Non, non, ça va aller, calme-toi. Ça va aller. Bonjour les cinéastes. Mon arrivée Jeanne. Merci. Jeanne, écoute, on voudrait faire la séquence extérieure là où tu joues avec la copine de ta fille. Ah, j'espère que ça ne va pas être très long. Parce que j'ai un dossier à finir pour ton père. Mais Dani, je ne sais pas si tu es au courant. Il n'est pas du tout commode à ce moment. D'accord, on va faire vite. D'accord. Les gars, nous reprenons à 13h la séquence intérieure comme prévu. Ok. On y va. Tu vois, Dani, Jeanne, elle est filmée. Oui, va. Elle est un clair. Dedans. Oh, arrête de plaisanter là. Si Samy devait jouer comme acteur dans le film là, moi j'allais démissionner. Ton problème est où? Il est un film. Bon, les gars, bon, je vous suis. On y va. Dani. Musique à quoi encore? Non, non, j'ai Sam, une chanson. Je vais le manger. Non. Vas-y. Ouais. On se tranquillise. Vas-y, allez-y. Hein? Je chante en partant. Là. Ah, pardon, on y va. Fonctionnel. Opérationnel. Non, attends. C'est l'histoire d'une fille. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Vraiment, hein? Ça fait bientôt une heure qu'on attend. Apo, s'ils ne viennent pas, ils viendront me chercher chez moi. C'est tout. Moi, je ne peux pas. Tu sais. Et moi, hein? Qui me suis mis en congé maladie. Si mon patron me voit là, je suis foutue. Hein? Tu n'as pas les téléphones? Non, et toi? Non. En plus de ça, je n'ai même pas d'unité. Apo. Non, c'est pas la peine. Apo, ce n'est pas la peine de travailler dans un cyber et ne pas avoir d'unité. Toi aussi, il faut arrêter. Yeah. Ah bon? Toi, tu crois qu'on nous les donne gratuits, quoi? Regardez-moi ces gueux là. Toi, tu as des unités? Si. Il doit me rester 600 francs. J'ai 600 francs. Tu peux appeler Valérie et lui demander ce qu'il coûte. D'accord, moi je vais appeler, mais il faudra qu'il me rembourse. Ça c'est clair. Hey, tu verras ça avec le frère de ta copine. Moi, je ne suis pas dedans. Hein? Apo, ce n'est pas ma copine. Il faudra que je te le répète combien de fois. Hein? Mbladé, hey. Mbla. Elle est bien. Bon, appelle, vas-y. Appelle. Voilà. Ça dit des trucs à mourir. Son téléphone est éteint. Sûrement qu'elle est en train de jouer en ce moment. Apo, tu vas rester ici. Moi, je vais partir. Je ne peux pas. Non. Je ne peux pas. Et à quoi il faut partir. Oh. Quel sale prix!
Danny, ouais. Il aurait fallu changer les meubles. Si. Et si on avait pu repeindre les murs? La couleur là, ce n'est pas terrible. Et si on pouvait tourner en studio, c'était mieux. En studio? Oui. Non, Joe, nous n'en avons pas les moyens. Nous, nous tournons chez l'habitant. Et puis, c'est beaucoup plus vivant. D'accord. Il faudrait quand même que ça corresponde. Non, t'inquiète pas pour ça. Jeanne va nous faire un très bon prix. Ça, j'en suis sûr. Qui sait? Peut-être qu'elle va nous faire ça même cadeau. Ah, ok. Danny. Oui, Samy. Tu vas pas appeler cette idiote de Apolline là pour savoir pourquoi est-ce qu'elle n'est toujours pas là? Mais c'est vrai. Pourtant, on lui a dit que ce matin, c'était ici qu'on tournait. À moi. Et quand est-ce que toi, tu l'as appelé? Non, non, c'est pas moi qui devais l'appeler. C'est pas toi qui devais le faire. Qui, moi? Oh. Non. Et Sam, c'est pas toi qui devais la prévenir? Moi? Oui. Non. Comme un moustique. C'est pas toi qui devais lui dire de venir? Ah non, 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 non. C'est pas mon boulot, ça. Mais moustique, dis-moi. C'est avec cette petite caméra que toi, tu vas filmer? Toi, tu ne m'as pas dit que tu devais avoir une caméra quoi, hein? Je sais pas, moi. C'est vrai. Tu sais, quand j'y pense, quoi, ça m'énerve trop. Encore? Au fait, j'ai donné 800 000 francs à un gars qui est parti en France pour un stage d'une semaine, là. Mm-hmm. Le gars devait me ramener une caméra que j'ai commandée là-bas. Elle est où, cette caméra? Justement, le gars devait venir avant-hier. Mm-hmm. J'ai appelé, je lui ai envoyé des SMS, j'ai tout fait, le gars ne répond pas. Je suis allé chez lui, tout est fermé. Mais mon type, c'est très simple. Le type a fui avec ton argent. Ah non, c'est non, clair. Non, Sam, faut pas dire des choses comme ça. Comment ça fuit? Eh, mais s'il fuit avec mon argent, quoi, wallah, il va me reconnaître. Écoute, si tu veux le retrouver, il va falloir que tu ailles en France. S'il le faut, j'irai en France. D'accord, mais en attendant, dis-moi, tu penses que ton petit truc là peut faire de très bonnes images? Ah non, pour ça, ne t'en fais pas. Écoute, c'est avec ça que je filme les Janjoba. Ça pète le feu, cette caméra-là. Si c'est ça, il n'y a même pas le feu. Bon, espérons. Non, tu n'as même pas à espérer. C'est ça même. Ça, là. Tiens. Qui a le numéro d'Apolline? Maman. D'accord. Je vais aller la chercher. Je sais où elle habite. Pourvu qu'il fasse vite, hein, ce type-là. Parce que moi, ce matin, j'ai un reportage. Et moi? J'ai un dossier à finir pour mon patron. Ah, tiens. Ils n'ont qu'à faire vite. Je dois aller à l'école chercher mes enfants à 11h. Je vais aller me reposer à l'intérieur. Sam, toi aussi, sois professionnel là. Je fais une balance et toi, tu... c'est pas avec ça que je peux balancer, c'est avec du blanc. Pourquoi tu passes devant la caméra? Allez. Jeanne, oui? Tu n'es pas transparente. Même si tu portes un habit transparent là. Pardon, quitte devant moi. Mais moi, je n'ai pas vu la caméra, elle est tellement petite. Oui, c'est ça. Soyez pro là, quand même. Jeanne, je vais vérifier le son. Parle. Oui, papi. Oui. Ça voilà, va, papi. Oui, vas-y, ça va. Ok, c'est bon, c'est bon. Apolline, ça fait plus d'une heure que l'on t'attend sur le plateau. Personne ne m'a dit où je devais jouer ce matin. Mais il fallait venir à 7h à la maison. 7h? Non. À 7h, moi, je dors encore. Uh-huh. Allez, monte, je t'amène. C'est bon? Bonjour. Alors, tu as changé d'avis? Tu es d'accord? Changer d'avis? Oui. Je ne comprends pas. Non, je veux dire, si tu es d'accord, on va chez moi. Peut-être qu'après, je pourrais t'avoir un bon rôle dans le film. Ah oui? Oui. Tu vois comment c'est facile? Oh là là, pauvre idiot. Oh, tu me fais pitié. Tu sais, ouais. Si moi j'ai besoin d'un bon rôle, je n'ai pas besoin de toi. Ah bon? C'est quand je veux. Et si tu veux le savoir, je me tape ton patron et son fils. Alors, tu penses bien que... Bon, ils sont là? Ils sont tous sortis. D'accord.
tu leur diras que s'ils ont besoin de moi, de passer au salon. Larbin, dégage. Dégage. Non. C'est là quoi. Un jour, je vais là. Tu vas voir. Allez, on y va, on y va. Oh. Le moustique. Le moustique. Le moustique. Mais où sont-ils passés? Sam et puis Douglas, ils sont allés boire un coup là. Ils sont partis où? Ah, je ne sais pas. Hein. Bon, vous, en attendant, vous pouvez commencer à répéter. Ah, c'est tellement petit qu'on n'a pas besoin de répéter. Hein? Donc, à faire vite, et moi, je dois partir. Mais les gars, dépêchez-vous, là, Jeanne doit partir. Jeanne doit partir et moi alors. J'ai un reportage dans une heure. Où est Abdoulaye? Hein? Abdoulaye, comment doivent-ils se placer? Face à la caméra, c'est mieux. Bon, musique, tiens, branche. Ah non, ce n'est pas la bonne fiche. Quoi? Mais je suis désolé, j'en ai pas d'autre. Ah, en tout cas, ce n'est pas la bonne. Ok, tout le monde est prêt? On peut y aller? Non, non, il y a un problème. Il y a quoi encore? Moustique n'a pas la bonne prise sur sa caméra. Je ne peux pas brancher le son. Ah non, non, non. Douglas, c'est toi qui n'as pas la bonne fiche. Qui, moi? Oui, c'est ouais. Toi. Écoutez, ce n'est pas la peine de vous engueuler pour ça. Moustique, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, est-ce que le dialogue là est long? Non, pas du tout. Ouais, mais si c'est ça, on peut utiliser le micro de la caméra, ça marche. Ok. Quoi? Le micro de la caméra? Ouais. Non, ça ne va pas être bon. On ne va rien entendre. Do, je te répète que c'est avec ça que je filme les mariages et autres. Le son est très fort. C'est bon, là. Forcément, avec les amplis des orchestres, ça ne peut que donner un son saturé, hyper saturé. Mais si c'est ça, ils n'ont qu'à amplifier leur voix. Écoutez, écoutez, écoutez. Comme c'est juste une petite séquence, ouais. Nous allons essayer. Mais où alors? On y va. Bon, ils n'ont qu'à faire vite, hein, parce que l'ombre avance. Bientôt, on ne pourra plus rien filmer. Où est-ce qu'il voit l'ombre qui avance, là? Moi, je pense qu'il lui faut s'acheter des lunettes. Hein? Vraiment. Des grosses lunettes. Donne-moi le time code de début. Là. 00 0100. Bon, on est prêt? Silence, hein? Silence. Moteur. Action. Viens, ma fille, à l'intérieur. Tu vas tout m'expliquer. D'accord, maman. Je vais tout vous expliquer. D'accord. Coupé. Elle n'est pas mal, celle-là. Une deuxième. Time code. 00 0100. Parfait. Hé. Hey, ça n'a pas bougé? Ah. Quoi? Non, c'est pas vrai. J'ai oublié d'appuyer le bouton REC. Et voilà.